Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous envoyer sur un fait divers. Alors, Nathalie, ça s'est passé à Dallas. Il y a une femme qui a pris un avion. Elle s'est assise et en fait, avant que l'avion décolle, eh ben, elle est ressortie avant de raconter aux passagers qu'elle a vu un non-humain, qu'elle était assise à côté d'un non-humain. Qu'est-ce que tu vois sur ce truc-là? Alors, il y a le mot fake qui s'affiche et pourtant sur le siège, c'est pas un humain que je vois. Ouais, ok. Alors, on va commencer par ce mec-là, assis sur son fauteuil, c'est qui? C'est comme si, à un moment donné, il a perdu sa structure de camouflage. Oui, parce qu'il y a plusieurs passagers qui disaient qu'il avait vu, mais en fait, comme des yeux de serpent, ou je ne sais Oui, pas. mais pour moi, il a perdu sa structure de camouflage. Je ne sais pas pour quelle raison. Et ça a dû être fugace, mais suffisamment long pour qu'elle le voie. Alors, pourquoi tu avais fake? Mais fake, je vois les journaux avec, alors et là, du coup, ça m'envoie à d'autres faits divers du même genre, où on dit que c'est fake, où les journaux disent que c'est du fake. Ah, d'accord, oui, d'accord, vu comme ça, oui. Donc, cette femme, donc, elle se lève avant que l'avion décolle, elle raconte aux passagers, ce mec-là, c'est pas un humain, et elle est sortie de l'avion. Alors, les autres, je comprends pas pourquoi ils sont pas sortis avec, mais bon, voilà. Et toujours est-il que cette femme a disparu. Ça fait à peu près un an que ça s'est passé et cette femme a complètement disparu. Ouais, c'est comme si on l'avait jeté. Comme si on jetait les infos qu'elle aurait pu donner un peu aux oubliettes, quoi, tu vois. On s'en débarrasse, en fait. Est-ce qu'elle est encore en vie, cette femme? J'ai pas l'impression, mais peut-être que ça, Ah. je. Ah ouais. En tout cas, je ne l'aperçois pas. Moi, j'ai vu comme, tu vois, on la pousse et voilà, elle tombe, je sais pas où. D'accord. Donc, ce monsieur-là, enfin, qu'on n'est pas un, en fait. Il a per... enfin, son camouflage, il est parti pour quelques secondes. Donc, c'est-à-dire que il y en a des gens comme ça, tu as l'impression que c'est des humains et en fait, c'en est pas. Ouais. Il y en a beaucoup.
Je sais pas trop. C'est pas ça. J'ai pas de réponse à ça. Par contre, de ce que j'observe, c'est qu'il y a différentes sortes, en fait. Il y en a certains, c'est comme s'ils étaient là, ils vivraient plutôt en souterrain et ils sont pas forcément en mode agression à l'égard de l'humain. En réalité, ils seraient plus en mode observation, étude. Parce que ça me renvoie à l'histoire en vrai des dauphins et même de l'humanité. En fait, c'est comme si on disait, bon ben les humains, ils sont tous gentils, ou ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça. Enfin, je veux dire, il y en a certains qui sont dans une conscience par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur partie, leur divinité, tout ça, où vraiment ils sont dans cette conscience-là, puis d'autres qui sont encore, on pourrait qualifier d'endormis. C'est juste, ils sont juste à ce moment-là, quoi. Point barre. Et bon, ben après, au niveau des autres races, que ce soit certains types de reptiliens, où en réalité, ils sont eux aussi en. Certains sont en mode juste. Je vais dire entre guillemets, sont leurs mots. Ils sont pas en train de nous chercher des poux dans la tête. Et en fait, mais pourquoi ils se camouflent en fait? Parce que s'ils étaient jamais camouflés, ça aurait été plus facile pour eux. Moi, j'entends l'ignorance et au fur et à mesure que l'humain est devenu de plus en plus ignorant, où l'humain est retombé dans l'ignorance, où l'humain créé et était ignorant, eh bien, ils ont. Puis, ils se sont camouflés, mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que l'humain fait des amalgames. L'humain actuel fait des amalgames. À savoir, comme on peut faire avec nous, d'autres humains, on va dire, bah tiens, vu qu'il a telle couleur de peau, celui-là, forcément, il est ça. Tu vois, des trucs complètement idiots. Bah, on fait pareil actuellement avec certaines races, notamment de type reptilienne, insectoïde et tout ça, où en fait, on. Globalement, les amis dans les mauvais. Comme D'accord. si ceux qui étaient blonds aux yeux bleus étaient forcément très bons, ceux-là. Donc, du coup, imagine bien que s'ils se montraient, voilà quoi. À part de la panique, des gens qui se taperaient dessus parce que. Oui, si je me projette dans ce type de vision où un être non humain arrive, mais vraiment non humain, hein, qui ne ressemble pas du tout à un humain, l'accueil est pas. C'est pas ça, quoi. Indirectement le laboratoire, le scalpel et tout et Ah tout. ouais, non, c'est pas ça. Par contre. Un grand blond aux yeux bleus, prétendant qu'il vient de. Voilà, ben là, oui. Là, il inspire. D'accord. On est comme ça, en fait. D'accord. Donc en fait, y a plusieurs races qui vivent avec nous sur la Terre et qui se camouflent. Ouais. J'ai l'impression que c'est surtout, en tout cas, qui peuvent apparaître visibles à nous quand ils sont pas en mode camouflage. Je les verrais plutôt, je les vois, moi, de type, ouais, qui ressemble à.
à une peau reptilienne, quoi, de reptile, tout. D'accord. Comme ça. Et donc, ceux qui se sont adaptés, camouflés, tout ça adapté à nous, en fait, ben, ils bossent, ils font quoi? Ils bossent comme nous, ils ont un boulot, ils... Ben, en quelque sorte, oui. Parce qu'en fait, c'est bizarre de... Enfin bon, je sais pas, moi je sais pas ce qu'ils ont comme capacité, mais de prendre l'avion. Ou alors enfin, de faire des trucs comme nous on Alors, fait. celui qui prend, qui a pris l'avion, là. Parce qu'il y en a aussi dans ceux qui sont. Je revois la scène avec une scène avec je sais pas, la chanson, des trucs comme ça, où il y a comme des hybridations. Alors ceux-là ne sont pas forcément cool, hein. Ils ne sont pas tous cool, hein. Ceux-là ne sont pas forcément cool. Mais ils ont, je sais pas comment dire, une espèce de capacité, soit ils projettent une image, soit... Pas comment ils font, hein, c'est OK. parce que là c'est comme si tu vois j'avais la capacité de les voir ben, à l'état normal et pouf, ah tiens, à l'état humain, et je veux dire je les vois pas s'enfiler un costume, je vois pas ça, mais je peux pas t'expliquer Alors, qu'est-ce qui a fait bugger le truc, le camouflage, en fait? Ça leur demande vraiment de la concentration ou ça marche comment ce truc-là? Moi, j'entends le mot caméléon. Comment il fait le caméléon? C'est... Ouais, comment fait le caméléon? Donc ça se fait tout seul en fait. Comment font certains animaux pour se transformer en branches? Comment ils font? C'est... Moi, je ne sais pas le faire, j'arrive pas à... Mais en fait, c'est comme si... Ils n'appuient pas sur un bouton, tu vois, genre, cluc, Ouais. non. Ça se fait... Pour moi, c'est... C'est comme une commande que nous, on pourrait qualifier de mentale. Genre, de mentale ou d'une capacité subtile. Genre, je ne sais pas, je demande au ver de se lever, quoi. Tu vois, bah, c'est un truc subtil plutôt de cet ordre-là que je perçois hein, après. Et alors, il s'est senti comment le mec là quand ça a bugué? Ça lui fait quoi, lui? Parce qu'en fait, il va avoir des problèmes. Moi, je sens du froid par rapport à lui. Comme une froideur. J'ai pas l'impression que tu vois, ça leur attire forcément des problèmes. Ils les gèrent, les problèmes. Légère, ok. C'est genre un peu radical, quoi. Soit en fait, la personne, et c'est pour ça que les autres sont pas descendus, c'est pour les autres, en fait. C'est. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux, je vois ça, je le vois, c'est sûr, je le vois. Puis ça disparaît de mon regard. L'ai-je vraiment vu? Tu vois? Parce que c'est tellement. Donc, l'ai-je vraiment vu? Du Ah coup, ouais, c'est je finis par accepter le l'ai-je vraiment vu? Et puis, il y a je le vois, je l'ai vu. Bon, je me tais. Je me tais. Peut-être je le raconterai dans 50 ans, mais je me tais, au cas où. Puisque je n'ai pas la validation des autres. Tu sais, c'est comme dans la cour de récréation. Ouais. Voilà, où
Ou même des fois, quand la maîtresse te pose une question, tu es la seule à avoir la bonne réponse, personne ne lève le doigt. Du coup, limite, t'oses pas le lever, tu te dis que peut-être tu vas dire une connerie. Et c'est de cet ordre-là. Et ensuite, la troisième possibilité, qui n'est pas ceux qui sont restés, c'est je le vois, je le vois, je le crie haut et fort. Et là, je peux m'attirer des problèmes. Parce que je peux le crier haut et fort, et puis. Mais je peux le crier haut et fort et dire que je vais, je sais pas, alerter machin, bidule, truc, voilà. Là, je peux m'attirer des problèmes. D'accord. Et c'est pas le seul fait divers que tu vois comme ça, de ce genre-là. Non. Ça arrive régulièrement, donc. Mais même, j'ai envie de dire, c'est comme si. Quand il y avait les journaux papier beaucoup plus répandus que maintenant, je vois que des fois tu voyais des trucs hallucinants dessus, des journaux, je sais pas lesquels, des journaux à sensation, je sais pas à quoi, mais où tu voyais des trucs, soi-disant, une mère de famille, elle avait vu ça, et il y en a qui lisaient ça, mais en fait, 90% des gens disaient juste, mais ça, c'est que des conneries. Alors, en D'accord. réalité, La réalité, c'en était pas. ben, il y en a beaucoup, c'était du vrai en fait. C'était pas juste pour faire. Mais ça passe pour des conneries. En fait, si tu veux, c'est vraiment ça. C'est pour l'humain. Nous, humains, on est tellement dans un formatage de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible que Ouais. même si on voit un truc extraordinaire, hallucinant, qu'on n'a jamais vu, eh ben, la majorité. Elle va être, si ça disparaît de sa vue, bon, évidemment, c'est différent si l'être en question dit, bon, allez, on se tape la discussion. Comment ça va? Alors, tu sais, moi, je viens de là, je m'appelle machin, ta, 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 ta. Bon, là, OK. Si l'autre n'a pas fait une cardiaque, il y a échange. Mais ça ne se passe pas comme ça. Puisque la majorité des humains, ils sont en mode, comme ça. Alors, forcément, du coup. C'est fugace et après ça a disparu. Donc il y a non mais est-ce que j'ai vraiment vu ça? Non mais j'ai dû rêver. J'ai sûrement rêvé. J'ai rêvé. Tu sais, un jour j'ai rêvé. Voilà. Mais voilà, Ouais, bien c'est sûr. ça. C'est la démarche qui est faite, T'as hein. fait, ouais. C'est vraiment la démarche qui est faite. Et puis il y a ceux qui vont garder ça. Qui vont, genre sur leur lit de mort, par exemple, c'est un exemple, tu vois. Ah, tu sais, quand tu étais tout petit, que tu avais 5 ans, ben, j'ai vu une soucoupe volante. Je te l'ai jamais dit, mais voilà. Elle s'est posée dans mon jardin. C'est de cet ordre-là. Et ces reptiliens, eh ben en fait, ils sont, enfin, ils ont une petite vie comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont des copains peut-être humains, ou comment ça se passe? Ou alors ils sont rassemblés ensemble dans un quartier. Moi, je vois ceux qui, par exemple, on va dire, font des études sur nous, mais comme nous, on ferait des études de, je sais pas, n'importe quoi, qui viennent nous voir pour, oui, voir nos comportements ou des trucs comme ça. Je ne les vois pas du tout se mélanger à nous, hein. Mais parce qu'on n'est pas comme eux, c'est parce Ben oui, que. voilà. Ça doit être, sinon, ça doit être compliqué, en fait. Et après, il y a ceux qui sont, on va dire, je sais pas, comme hybridés ou bizarres. Ça, c'est ceux que je qualifierais de space. Eux, ben, ouais, ils sont plutôt entre eux, ceux-là. Donc, il n'y a pas d'amitié. Humain, non humain, en gros. C'est que de la recherche, en fait. Ben, on est très observé, hein. Sans doute. Mais à tous les niveaux, parce que
On est allé tellement loin dans la matière que ça a fait de nous des individus intéressants à observer. OK. Tu vois, c'est comme si, par exemple, ceux qui ensemencent je veux dire, ensemencent les mondes, c'est-à-dire quand il y a des créations de planètes, qu'on implante des êtres dessus, notre expérience à nous est suffisamment particulière pour que certains se disent, ah non, mais tu vois, par exemple, au niveau éducation, eux, ils ont développé comme ci, comme ça, ce serait bien de faire autrement. Enfin, là, c'est expliqué de ma manière humaine. Oui. Mais c'est il y a des trucs comme ça. Et du coup, on est observé, on est étudié, on est beaucoup étudié. Et il y a des races. Là, je vois les insectoïdes, tu vois, je les vois dans leur laboratoire. Il y en a certains qui ne nous veulent pas forcément du mal. Alors, ils sont pas dans genre. Oui, mais tu lui as pas demandé son avis, genre tu n'as pas posé la question, c'est pas gentil de lui faire ça. Non, ça c'est nous, on est comme ça. Oui. C'est plus eux, ils sont connectés au, je sais pas, je vais dire, à notre émotionnel, à nos corps émotionnels, mental, et quand on ouvre une porte dont on n'a absolument pas conscience, bah, c'est comme si quelque part on donnait notre accord, et du coup, voilà, ils vont faire des études sur nos corps, comment ça marche. Mais ils peuvent aussi, certains, nous aider. Justement, parce qu'ils sont, je les vois performants, ils sont performants, bien plus performants que nous dans le domaine médical, etc., etc. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose? Non, après c'est vaste, donc. Oui, c'est très vaste, hein. C'est vrai que. Alors, merci de nous avoir écoutés. Pensez à partager, à liker et à commenter, s'il vous plaît. Merci.